Les copains et les copines, voici notre chambre et voici le moment du room tour. Nous sommes accueillis par Peter Pan, voilà, et c'est parti, on vous fait visiter les lieux. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre? Oui, bien sûr. Bien sûr, où ça? Ah, voilà notre petit guide. Coucou Swan. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Et moi, vous allez bien aussi? Oui, on espère que tout le monde va bien. On est où aujourd'hui alors? À Disneyland. Oui, nous sommes effectivement au parc Disneyland de Paris et nous sommes à l'hôtel Disneyland. Donc là, c'est une grande chance de pouvoir séjourner dans cet hôtel. Et bien sûr, les copains et les copines, on souhaite vous emmener avec nous dans cette belle aventure. Donc on va déjà vous montrer notre chambre. Et un petit peu plus tard, on vous montrera également l'hôtel, les parties communes, l'extérieur. Enfin voilà, l'hôtel Disneyland, l'hôtel qui fait tant rêver. C'est toi qui nous sers de guide? Oui. Alors, on commence par où? Tu veux commencer par l'entrée, par la chambre? Comment par tu veux faire? Chambre. La chambre. Alors la chambre, tu es dedans. Donc hop, je me recule pour vous montrer un petit peu toute la chambre. Voilà. Donc quand on rentre, on a ici d'abord les deux grands lits. Qui est-ce qui va dormir dans ces lits alors? Papa et Néo. Papa et Néo? Il n'y a que eux qui dorment ici? Non, et aussi nous. Eh ben oui, aussi nous. Donc là, il y a deux lits doubles. Il y a un lit pour Néo et Swan et un lit pour papa et maman. Voilà, comme c'est une chambre famille, on a deux grands lits. Donc c'est très joli, hein. C'est sur le thème du château de la Belle au bois dormant. Donc l'hôtel Disneyland, c'est sur un thème très romantique. Bon, c'est absolument magnifique, hein. Donc là, on a des frises avec les personnages des dessins animés. Voilà, voilà. Ici, on a le petit meuble avec la cafetière, la bouilloire. Ouh, là, je crois qu'il y a des bonnes choses. Ah, le mini bar. Miam, miam. Ça, c'est au cas où on aurait un petit creux dans la soirée. Voilà. Dans le tiroir, on a le nécessaire pour les boissons chaudes. Swan, il y a même des tisanes pour toi. Wow. Regarde, c'est une infusion aux bonbons. Wow. J'aime les bonbons. Mmh. Wow. Ça va nous plaire, ça. Et un autre côté. Il y a un autre côté dans cette chambre. C'est une grande chambre. Alors pourtant, on a pris une chambre famille, tout ce qui est le plus standard. Mais du coup, elle est très grande. Alors Swan, il est content. Là, il y a un petit renfoncement. On peut se cacher derrière les rideaux. C'est super, ça. Ah, voilà. Coucou, je te vois quand même un peu, hein. Et là, on a donc des fenêtres. Une fenêtre ici qui donne sur le toit de l'hôtel. On a une autre fenêtre, juste là, on voit au loin les oreilles de Mickey chez Disney Studios. Donc là, on est au-dessus, en fait, d'une entrée du parc. Et ici, on a la vue, bah, bien sûr, sur le reste de l'hôtel. Voilà. Donc là, on est vraiment à l'entrée, en fait, du parc principal Disneyland. Alors, petit coquin, Swan y joue à cache-cache. Donc, on a aussi un canapé ici. Bon, super, hein. Non, vraiment, on est bien installé, hein. Je pense que là, on peut se dire qu'on a de la chance. C'est une très belle chambre. Là, on a des petits animaux, lapins, éléphants. Et on a un swan, et oui, un cygne en anglais, c'est swan. Et sur le côté du canapé, on a une petite table, voilà, avec l'abat-jour. Non, vraiment, on est très très bien installé. Hein. Je pense qu'on peut encore une fois s'estimer heureux de résider dans cet hôtel. C'est une belle opportunité. Trop bien, moi, je suis passée. T'es où, petit coquin? Je te dis pas. Il me semble que la petite voix vient de par là quand même, hein. Elle est où cette petite voix? Trouvée. Petite souris. Alors, c'est la première fois qu'on emmène Néo et Swan à l'hôtel Disneyland. Donc pour nous, c'est un grand moment. On le fait d'ailleurs pour la période de Noël parce qu'on trouve que la décoration à cette époque-là est juste magique.
Donc c'est pour ça qu'on les emmène sur cette durée. Alors Néo n'est pas encore arrivé, il nous rejoint un petit peu plus tard avec leur papa, tout simplement parce que les horaires du collège n'étaient pas compatibles avec une arrivée cet après-midi. C'est pour ça que pour l'instant il n'y a que Swan et maman. Oui. T'es content? Oui. Ah bah oui, c'est la grande fête. On joue à cache-cache? Encore à cache-cache? Oui. D'accord. One, two. C'est moi qui me cache? Oui. D'accord, je me cache, vas-y, compte. One. On va se cacher là. On va se cacher ici. Attention, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Comment? Tu m'as déjà trouvé? Oh là là. J'étais dans la salle de bain. Alors regardez les copains et les copines. La jolie salle de bain qu'on a ici. Swan, il est tout content. Donc là, c'est une belle salle de bain dans laquelle on retrouve encore les personnages Disney. Là, c'est Grincheux, c'est Grumpy. On a les 7 nains autour du miroir ici. Donc c'est encore une fois très joli. On a une jolie double vasque là. Voilà, c'est trop trop beau. Ça fait un peu château de princesse, moi je trouve. Hein. Alors là, on a les produits Disney évidemment, avec les petites oreilles qu'on aime tant. Et de ce côté-là, c'est la baignoire. Alors là, on a une décoration sur Fantasia. Regardez. Est-ce que vous allez reconnaître? Les hippopotames avec leur tutu. Et oui, c'est Fantasia. Donc là encore, c'est très très joli. Et ici, on a de nouveau nos produits Mickey. Et dans la salle de bain, on a une frise sur le thème de Fantasia. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien d'ici, mais on a Blanche-Neige ici, bien sûr, avec les 7 nains autour du miroir. Et au niveau de la frise, on a les hippopotames en tutu de Fantasia. Oui, c'est super beau. Donc la salle de bain, elle est juste sur la droite quand on rentre dans la chambre. Voilà, en face, on a donc de nouveau la chambre dans laquelle Swan se cache. Ici, on a un grand placard mural. Et quand on ouvre le placard, tadaan ! On a même droit au peignoir et aux chaussons. Waouh ! Alors les peignoirs, bien sûr, on ne peut pas les emmener, hein, ou alors il faut les acheter. Mais par contre, les chaussons, ils sont offerts. Et moi, je pense que je vais me ramener mes chaussons Disneyland à la maison. Juste pour le plaisir, une fois à Lyon, de pouvoir rêvasser encore de Disneyland avec mes chaussons aux pieds. Où est Swan? Oh, t'es encore caché? Oui. Ah, je te cherche? Oui. Voyons, voyons, voyons. Où peut-il bien être ce petit Swan? Est-ce que la voix ne viendrait pas d'ici? Voyons, 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 voyons. Parle encore? Il me semblait bien. Coucou petit cœur, je t'ai trouvé. Maintenant c'est à toi de te cacher. Ah, c'est moi qui me cache? Oui. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, où est-ce que je vais me cacher, moi? 10. Attends, j'ai pas fini encore. Attends, compte encore, je suis pas encore cachée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3. Attends, j'ai pas fini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. Là, on est dans le placard. Je sais pas s'il va nous trouver. Il cherche dans la salle de bain. Je suis par ici. Quoi? Je suis par ici. On va l'aider un peu quand même. J'arrive pas à ouvrir la porte. Ah, d'accord. Coucou. C'est bon, tu m'as trouvé. C'est à moi de me cacher. Ah bah d'accord, bon allez on continue. Bon les copains et les copines, on va vous laisser hein, parce qu'on continue notre partie de cache-cache. On a fini notre room tour. On vous montrera également la suite de nos aventures chez Disneyland, bien entendu, dans une autre vidéo. Et voilà.
Donc la Swan est encore en pleine partie de cache-cache pour la seconde partie de cette vidéo qui consistera en l'hôtel tour. On sera cette fois-ci accompagné de Néo qui nous aura enfin rejoint. Donc on vous montrera tout ça avec les deux garçons. On continue pour cache-cache ? Oui ! Allez, on continue, petit coquin. Et voici donc devant nous l'hôtel Disneyland où nous résidons pour ce séjour. C'est beau comme tout. Waouh, c'est joli, hein? C'est magnifique. C'est la fin de la journée et il va être temps pour nous de rentrer dans notre hôtel. Donc, on est à l'hôtel Disneyland. Donc, voici l'entrée pour le soir, évidemment. Toc, 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 toc. Attention de ne pas rester coincé, évidemment. Et voilà, c'est bon. C'est ça? Oui, c'est ça. On est au bon endroit. Et c'est super joli. Vous avez vu ça, l'accueil? Alors, c'est très sympa. C'est un style un petit peu ancien. Mais très classe, évidemment. Non, c'est magnifique. Et alors là, avec les décorations de Noël, vous allez voir ça. C'est féerique. Regardez ça. C'est beau. Tout éclairé comme ça, là. Waouh, c'est juste splendide. Il y en a de partout, voilà, petite lumière. Et là-bas au centre, il y a une décoration encore plus majestueuse. Alors les garçons, vous allez me servir de guide? Qu'est-ce que c'est ça? Là, c'est une maison. La maison en pain d'épices? Ah oui. Eh ben oui, la maison de Noël. Et il y a même des moments dans la journée où il y a de la fumée qui sort de la cheminée. Mais peut-être plus à cette heure-ci, mais... Et là, bien sûr, on retrouve Mickey, la pendule, comme à l'entrée du parc. Et c'est une vraie maison de pain d'épices. Regardez ça, les copains et les copines. Elle a été faite pour être mangée. Donc, ils ont utilisé, voilà, ils précisent, pour faire le toit, pour faire les vitres, pour faire les 150 kilos nécessaires de pain d'épices. Oh là là, 3000 heures de travail, vous vous rendez compte? Waouh! Et ils ajoutent qu'il fallait aussi des tonnes de créativité, de magie Disney et de poussière de fées, évidemment! Évidemment! En tout cas, le résultat est magnifique! Derrière les sapins, on a là-bas une très très belle cheminée sur laquelle on va revenir. Et là, il y a le sapin qui monte très très haut. Il est superbe! Et qu'est-ce qu'il y a au pied du sapin, Swan? Le crin! Eh oui! C'est le train, le voilà, le petit train. Avec plein 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 de cadeaux ici. Bah oui, hein. Évidemment, il y a plein de cadeaux au pied de ce sapin. Donc il y a le petit train. On voit des peluches, des tambours, des gros cadeaux. Alors on va faire le tour de cette fameuse maison de pain d'épices. Donc là, on contourne également le sapin. Regardez, il y a même un cheval à bascule dans les cadeaux. Superbe. Donc on retrouve le beau sapin ici, avec tous les éclairages derrière qu'on voit là, sur les rebords des escaliers. C'est superbe. Là on a un Néo aussi. Bonjour Néo. Et la belle cheminée, superbe. Elle a des pattes cette cheminée, vous avez vu? Là il y a des pattes. Alors il y a encore des décorations évidemment sur la cheminée, elle est somptueuse. Tout en marbre. C'est vraiment très beau, hein. C'est vrai qu'elle est grande, hein. Quand on fait tout le tour comme ça, il y a beaucoup de fenêtres, le sens du détail. Elle est superbe, hein. Ah, c'est lui qu'on entend depuis tout à l'heure. J'entendais un miaulement. Ah, voilà. Je me disais, c'est pas vrai, il y a quelqu'un qui miaule. Et oui, c'est le chat. C'est marrant, ça. C'est bien fait aussi, hein. Et voilà, on retrouve le petit balcon de la maison en pain d'épices. Très très joli décidément. Et là nous avons le grand escalier. On se croirait dans les anciennes maisons, un petit peu, on va dire, des nobles, dans les châteaux des rois et des reines. Il y avait comme ça de grands escaliers majestueux. C'est vrai que c'est absolument superbe, hein. On monte le fameux escalier. Pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a d'autre ici.
Donc déjà là, il y a un espèce de petit salon, voilà, où on peut s'installer, se reposer, tout simplement admirer les sapins. Ils sont beaux, hein ? Là, on a une vue sur le hall d'accueil. Magnifique, avec les lumières et tout. C'est superbe, hein ? Vraiment superbe. Dans cet hôtel, il y a des cachettes. Oui. Waouh ! Ça, c'est pour les filles. C'est pour les filles ? Regardez comme c'est joli. Oh, c'est trop joli. Ah, effectivement. Et princesse ici, c'est pour moi, tu crois ? Mais je vais rentrer, moi. Princesse d'un jour. Effectivement, c'est pour moi. Allez, je rentre. C'est pour se marier. Tu crois que c'est pour se marier ? Attends, va. Waouh ! C'est superbe. Ah, c'est pour se faire belle, en fait. Puis je pense que ça doit être pour faire des photos aussi. Ah, je vois Elsa et Anna. Bon, c'est très très joli. Et je pense qu'au fond, c'est prévu pour faire des photos, certainement avec les princesses Disney, quand elles apparaissent pendant la journée. On continue notre exploration. Donc à l'étage au-dessus, on va trouver de nouveau ces grands couloirs majestueux, évidemment. C'est très grand hein, comme hôtel. Hein. Très très grand. Et là, quand on passe ici, on arrive à la boutique et au restaurant. Donc c'est toujours aussi joli ici aussi. Et voilà, première vitrine de la boutique. Alors bien sûr, on est sur le thème de Noël aussi et de la Reine des Neiges. C'est super joli. Mickey géant. Il est beau, hein ? Donc à cette heure-ci, la boutique est fermée. On vous a fait une belle vidéo shopping magique de Noël chez Disneyland. Donc vous verrez, on vous a trouvé plein de belles choses. Et là, il y en a un petit échantillon aussi, mais il y en a encore plus dans le parc et chez Disney Village. Vous avez vu là le Mickey comme il est beau ? Il est mort. Mickey bonhomme de neige. Il est super joli. Ah, il y a une autre maison pain d'épices là, mais une petite. Ah, c'est très joli aussi, hein. Oh, elles sont sympas ces tasses là, j'aime bien. Et encore une vitrine de Noël. Oh, avec des petits oiseaux cette fois-ci. Super joli, hein. Vraiment, ils ont bien fait les choses, hein. Ça fait rêver. Donc là, on a les cabines téléphoniques d'époque. C'est bien le sens du détail, hein. C'est très très joli. Et un petit peu plus loin là-bas, il y a le restaurant. Waouh, regardez comme c'est beau là. Donc là, on arrive sous la coupole. Il y a plein de ballons là-haut. Plein de ballons à l'hélium qui se sont envolés. Il y a de nouveau un très très beau sapin. Superbe. Avec encore plein de décorations autour. Et donc là, il y a en fait le restaurant qui est un petit peu plus loin là-bas. Voilà. Donc c'est ici que nous prenons notre petit déjeuner le matin. Voilà, vous savez tout maintenant. Donc c'est très beau ici aussi, hein. Et il y a de nouveau une cheminée qui est par ici, on va vous montrer. Voilà. Cheminée à l'ancienne aussi. Donc vraiment, il est très beau cet hôtel, hein. Et une dernière petite vue sur le hall qui est vraiment superbe. Ah, et maintenant, on va aller faire de beaux rêves. Et voilà les copains et les copines, c'est la fin de cette vidéo room tour et hôtel tour. Donc pour le room tour, il n'y avait que Swan et maman. On a joué à cache-cache dans la chambre d'hôtel. Et pour l'hôtel tour, on avait Néo, voilà, qui était enfin avec nous. Alors les garçons, c'était comment cet hôtel ? C'était super. Ça vous a plu ? Oui. Alors c'est la première fois qu'on allait à l'hôtel Disneyland quand même, hein ? Bon, on n'est pas trop habitué à ce genre d'établissement, mais vraiment c'était bien. Hein, on est très très contents, surtout pour Noël. C'était absolument féerique, des belles décorations. Ouais, je crois que ça nous a beaucoup plu. Puis la chambre, elle est jolie aussi. Hein. Ouais, vraiment confortable, grande. Il y a tout ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce que vous avez préféré dans cet hôtel ? La chambre. La chambre et toi, Néo, j'ai pas entendu. La boutique. La boutique, bien sûr. Oui, pour acheter des cadeaux. Et soit de la chambre. Parce que la chambre, elle permettait de jouer à cache-cache, c'est pour ça. Mmh. Mmh, je comprends. Les copains, qu'est-ce que vous préférez ? Et surtout, abonnez-vous. À bientôt les copains et les copines. Bye bye. À bientôt les copains et les copines. À bientôt Disneyland. Bye bye tout le monde. Bye bye.
C'était pas un petit peu facile là quand même? Si, super facile. Je te voyais déjà.